We do Be. 3 minutes un expert un conseil sur We do Be. Vous êtes sur UdoBiz et nous, nous sommes ici pour nos chroniques experts avec Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, quand on parle de clients, on parle souvent de clients qui négocient, qui négocient les tarifs et c'est pas toujours facile de dire non. Vous nous proposez donc une chronique. Doit-on faire des offres au rabais J'imagine que la réponse est non. Ah non, vraiment, vous croyez euh, C'est vrai qu'en plus, on est quand même dans une époque qui ne nous aide pas parce qu'on s'est toujours, toujours posé la question. Ça fait 25 ans que je fais de la vente, ça fait 25 ans qu'on se pose la question, Mais En enfin fait, depuis 2-3 ans, je peux dire qu'on se la pose encore beaucoup plus. Et surtout que certains d'entre vous qui nous écoutez de temps en temps se disent bah, Je préfère vendre euh, pas cher plutôt que pas vendre du tout. Mais le problème, c'est que si vous commencez à vendre pas cher, vous ne vendrez pas. Parce que le pas cher ne se vend pas, ne se mérite pas, vous n'arriverez pas à vendre. Alors quelles sont les vraies techniques C'est vrai que le client va vous faire croire parfois que tout ça va être, tout ça va être une problématique de prix. Mais d'ailleurs, si vous écoutez bien, euh, il vous le dit rarement, mais c'est vous qui l'entendez. Vous entendez un petit bruit qui vous explique ça. Mais le client, ce n'est pas ce qu'il dit. Lui, qu'est-ce qu'il veut quand il achète Ce qu'il veut, c'est prendre le moins de risques possible. Être sûr qu'il aura un véritable retour sur investissement par rapport euh, à ce qu'il va engager euh, comme somme. Et puis être sûr également que ça va pas euh, être une problématique pour les gens qui vont l'utiliser et pour son business de tous les jours. Ça va être ça, les vraies problématiques du client. C'est pas de savoir s'il est en train d'acheter le produit ou l'offre de service la moins chère possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait C'est quoi les techniques ben, Moi, j'en ai quelques-unes, des toutes petites toute simple, mais qui fonctionne bien. La première chose, c'est que quand vous mettez en place votre offre tarifaire, le premier élément, c'est de faire une offre à tiroir. De mettre très exactement tout ce que vous allez faire à la demi-journée, à la journée près, à leur prêt, que le client se rende compte de la charge de travail qui est derrière. Et de ne pas mettre des masses de jours, alors je parle aux consultants qui vendent des jours, mais certains euh, pourront transposer ça dans leur business, mais de vraiment tout mettre au millimètre. Ce qui fait que quand le client peut vous dire, oui mais là, qu'est-ce qu'on peut faire comme économie bah, Vous dites, bah, regardez ce qu'on peut couper. Là, on se rend compte euh, généralement qu'on ne peut pas couper grand-chose. Donc ça, c'est la première technique. La deuxième technique, mettez-en beaucoup plus. Que ce que le client vous demande. Alors là, vous allez dire, elle est tombée sur la tête. Oui, mais vu que votre offre est à tiroir, l'avantage d'en mettre plus, c'est que le client, il peut prendre ou ne pas prendre. Bon, toutes les ventes que j'ai faites cette année, ce sont des ventes où j'ai mis le client à acheter plus que ce qu'il pensait acheter au départ. Mais ce plus-là avait un retour sur investissement qui justifiait l'ensemble de l'offre. Alors, ça peut être des choses extrêmement simples et de, 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 de je dirais, de bonne à loi. Sachez également que vous êtes face à des concurrents et par rapport à vos concurrents, vous ayez, vous ayez plus de valeur ajoutée. Et donc c'est en offrant plus qu'on a plus de valeur ajoutée. Donc prenez toutes ces petites techniques et n'ayez pas peur de défendre votre, votre prix. Et je crois que ce qui est très important quand on vous demande à un moment donné, en fin de course, hein, quand vous avez tout respecté, oui, mais vous allez bien faire un petit effort, et eh bien cet effort-là, euh, je pense fondamentalement qu'il faut pas le faire sur le prix. Mais il va peut-être falloir le faire sur un accompagnement supplémentaire, sur euh, soyez créatif, euh, donnez de la valeur. Euh, proposer une valeur d'ailleurs qui est importante pour le client mais qui pour vous ne détruit pas votre marge. Donc voilà, en tout cas, toutes les techniques que j'avais à vous dire, respectez-vous, respectez vos tarifs. Eh bien en tout cas, vous avoir avec nous sur l'antenne de We Biz, ça n'a pas de prix. On négociera donc pas si ce n'est de vous retrouver la semaine prochaine. C'est gentil, merci. À très bientôt <laughs> Evelyne.